d'à côté. On voit des éclairs dans la vallée d'à côté, on pense que c'est vraiment des éclairs. Y'a qui avec Footrick qu'on vit ça. Ouais. Plus haut sommet d'Europe accessible en randonnée. Sans matériel alpin, exactement. Passe plus haut par le Inner sommet Baron. D'Europe accessible en randonnée sans matériel alpin. Et c'est pour nous. L'histoire que vous allez découvrir s'est déroulée en août 2019, quand 6 Bretons se sont mis en tête de monter le Parhorn, sommet de 3610 mètres dans les Alpes suisses. C'est pas un petit Suisse quoi. Ouais, elle était pas très drôle. Ils sont vaillants mais un peu tarés. Ils vous emmèneront voyager à travers les Alpes valaisannes, un trek de 45 km avec 4000 mètres de D+, droit dans le pontu comme ils disent. Allez, je vous laisse avec ces guignols. J'espère qu'ils vous mèneront sans encombre jusqu'au Baba, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Footrip 2019, le Parhorn. Après à voir, mais je pense qu'on va prendre le plus direct. Hein. Parce que là, t'as. Et t'es sur un sentier pontillé. Ouais. My bitch go loco, Aria, Aria, Maria. Slide on a nigga with the fofo, yeah, fofo. Slide, slide, fofo. Hey. My bitch so loco, go loco, go loco. She bust that ass like a lolo, bust that ass like a lolo. My bitch go loco, go loco, Aria, Aria, Maria. Slide on a nigga with the fofo. I put you on a chokehold. Go loco, go loco, go loco. I pull a track off a show. Show, 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 show. I like it when you touch the flow. Call me for dick, not Geico. Call my phone when you're home. Tu fais quoi, père de volet, Léon? Au volet. Ouais, t'as tout dernier perdu. Dernier set, t'es malade. T'as tout perdu. Nous amis, la hey, n'importe quoi, il a gagné avec moi. T'as tous gagné une fois. Hey, attends, Maël, t'as perdu deux fois. Florian, t'as perdu deux fois. Léon, t'as perdu deux fois. Ouais, ouais, il se la pète. Ouais, il a même pas de biceps et il se la pète. Donc là, on est à J-moi avant le grand départ. Donc, Ewen vient de partir. Bon, tant mieux parce que j'ai du mal à supporter. Hein. Il est gentil, mais il est un peu bizarre, quoi. Ah, et le shooting pour le foot trip. Donc là il vient de partir parce qu'il est en train à prendre demain matin. Donc sinon nous cet après-midi on a fait les sacs, enfin on a dispersé la bouffe dans les différents sacs. Et c'est impressionnant la quantité de bouffe. Je pensais vraiment perdre du poids pendant le trek, j'étais content et tout, mais je pense qu'on va en prendre parce qu'on a énormément de bouffe et pas de la bonne bouffe. Enfin du sauciflard, du sucre, enfin voilà plein de trucs comme ça. Donc là FF et Mal ils sont partis sur la plage, en profiter une dernière fois. Moi, je vais faire une petite sieste, je vais me reposer avec ma meuf, là. Parce que soit on va au casino, on va braquer le casino, je sens bien, on va faire plein de fric. Quoi ce soir, nous? Braque. On braque quoi? La Casa des Insultats. La Casa des Insultats, casino, braquage. Braquage. Allez, je vois. C'est bon. Et donc, on a une longue route qui nous attend, donc on va se reposer. Donc voilà, on fait des petites vidéos comme ça chaque jour, on se filme, on nous a dit de nous mettre sous notre plus beau jour, donc voilà, je me filme comme ça, je me trouve plutôt bégé. Et puis voilà. I remember when I lost my mind.
c'est ton sac pour aller en cours, ça fait. Ouais. Oh le bambin. Ils sont beaux. Ils sont beaux, nos maisons là. À droite, la maison de Léandre. Après, la maison de Cram. La maison de Théo. Et la maison de FF. Vous êtes serrant, les gars? Vous pensez que ça rentrait dans la 307? Vraiment? Tout ce qu'il y a à ramener? Bac plus 6 Tetris dans un coffre. Bac plus 6 rangement, peut-être même. Parce que là. On va pas être large, hein. On n'est pas 4 à aller dans la 307. Ouais, heureusement que tu as le sac à dos de toinelle, hein. Ouais, le petit sac à dos de toinelle de rien, mais. Même quand je t'en prie, hein. T'as un bon bain, toi aussi. Oh la vache, ça va jamais passer. C'est le carrosse, ça. FF dans son carrosse. Ouais. À droite ou à gauche, FF dans le carrosse? Après avoir testé les deux places, je peux te dire que la place de droite est la meilleure. Rien à ajouter. On va en boîte là. Tout est dit. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Ça décolle direct sur la Suisse, ça donne. C'est moi le cochon de lait. Cochon de lait, c'est là. Salut la team. Comment ça va la team? Bien poissonné le petit cochon, oui. Ah ouais, bah, tu peux grimper, poisson. Salut toi. Bonjour. Tu peux poissonner la pince au McDonald's? Les gars, par contre, la tradition elle est où là? Ah, le caleçon parachute, c'est la tradition pour la route. Faut pas l'oublier. Et lui, il a oublié. Toi, tu l'as vu quoi? Toi, tu l'as vu quoi? Non, je peux pas. Eh, Jeannot, il l'a vu quoi? Elle fait peur, Jeannot là. Non, les gars, ça déconne. Jeannot. Ah ouais, direct comme ça. C'est un petit cochon. Ça va, il faut froid par contre là-dedans. Dernier jour de taf, pendant que les autres sont dans la voiture ensemble, et ben moi je suis solo à travailler. Mais il y a Ewan qui arrive dans le train et je le rejoins dans 5 heures. Bon mec, donne-nous un commentaire sur où on est actuellement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire exactement. Il nous reste 6 heures de route, 6h30 de route jusqu'à l'arrivée. Là, okay. Ewan est arrivé à Nice. Ok. Léo est en train de le récupérer et nous, il nous reste 6 heures de route, on va tailler. Et dans cette caisse bien remplie, genre, je peux même pas voir la gueule des FF, et quand je lui pose une question, il me répond. Hein? Ah, FF, il a dit quoi? Et FF a un mot, un ressenti, un sentiment sur le trajet actuel? Bon, pareil, guitare, que c'est les couilles. Ok, Léon, un dernier mot? Le groupe vit bien. Ok. Camoulox, tu gagnes 10 points et tu repars à la case départ vers un Alençon. Un Saoudien en crocs. Un Saoudien en crocs, ouais, de quel type? Curoulin. Curoulin. François Mitterrand en claquette. Curoulin. Curoulin, j'aime pas ce que je veux dire, mais. Camoulox. Non, c'était raté, c'était en lin. Donc tu perds 10 points et tu vas direction R de Puceul. Et casse-couille. Le groupe vit bien? Ouais, y'a pas trop de place pour Puceul. On s'entend bien entre potes, hein. C'est soudé quand même. Oh, c'est soudé, de toute façon, il faut, hein. On est arrivé, on n'est pas arrivé. On vient d'arriver 23h57. Minuit presque tout pile, comme prévu. Bon, par contre, il nous manque 4 Gugus qui devait arriver avant nous. On n'a pas de réseau. Il fait nuit noire. Il fait nuit noire. Il fait froid. On a deux tentes, ils en ont aucune. Donc s'ils nous trouvent pas, ils sont dans la merde. Nous, ça va, on peut dormir. Pas grave. On n'a pas de réseau. Enfin, t'as pas de réseau. Ah, et moi, je paye mes SMS. On est claqué. Alors, on cherche qui là, Léandre? On cherche Léo et Owen. On est arrivé à Gruben. Ouais. Et là, on tourne en rond depuis un moment, mais on a repéré une frontale au loin. Il est quelle heure là? Minuit 10. On est en Suisse, pas de réseau, impossible de les contacter. Et là, on les cherche. Et là. Ce serait pas eux qu'on voit avec les phares là? Léo! Wouh! Appel de phare. Yeah, sans phare. Youhou! Ça flash, c'est eux! Écoutez. Au complet. Zag. Ah,
putain, je m'attendrais à une prairie ou un truc comme ça quand même. Pas de prairie. C'est ennemi celui-là. Parking, parking, je suis. Parking à Gruben, un parking de merde. Parking à Gruben, à quelle heure? Je sais pas, minuit et demi. Il y a la pêche à la ligne par là. Hop là, il a monté l'arceau comme hop, il faut lui. Je pêche par là. Je pêche l'arrêt moi. Oh, il a pêché de l'arrêt. Hop là, avec... eh, nickel yeah. Ça. Léandre a pêché de l'arrêt. Qui veut de l'arrêt pêche? Qui veut de l'arrêt pêche? Elle pêche de con. Hein? Elle pêche de con. Voilà, tout neuf, tout. Bien d'être fait. T'as une belle canne à pêche, t'as dit donc. Ouais. Elle monte dans la tente, petit con. En plus, t'as une lampe comme ça. Dis-toi, elle, tu fais quoi en casse au parachute et en doudoune? Bah, je trouve que le temps s'y prête vachement. Ouais. Genre, il fait un peu trop froid pour. Pas être qu'en shirt, mais il fait un peu trop chaud pour être qu'en doudoune. Alors, moi, je mets les deux. Content d'avoir retrouvé la team foot trip? C'est l'émotion. Ouais, c'est. J'en pleure de la bouche. Trop d'émotion. Mm. Content de manger, gros lait. Le groupe vit bien. Bon bah, t'es content de la revoir, toi? Ouais, bien content. Je peux avoir une crêpe. T'es trop bien dans le sarcophage, là, quand t'as tout serré. T'es trop bien dans ton sarcophage, gros lait. Ouais, t'as tout serré, là, t'es au chaud. Oh, t'as l'air bien, mon garçon. Une heure du matin, premier camp monté. Et y'a pas de mieux, on est au paradis, là. Léandre Paradis, il est au chaud dans le Mountain Warehouse. Dans la petite tente cache-cache. Finition des installations pour FF. Oui, tout à fait. Et plus. Avec le coloc. On voit rien. Est-ce que t'as parlé au pop? J'ai parlé au pop. Ouais, Ewan ouais, il est parlé au pop tout. Hein? Non. Il peut une dernière vue sur le caleçon de parade tonnel. Salut, ça va? Ouais, ça va. Eh, hey. Hey, bonne nuit, petit con. Eh, hey, bonne nuit. Bonne nuit, petit con. Elle ressemble à quoi la vie? Par contre, la rosée du matin. La rosée du matin. Elle ressemble pas au rosé du soir. Vas-y, crache-moi dessus. J'en verrai ben plus du rosé du soir que du matin. Que de la rosée du matin. Ah oui, non. Par contre, ce petit toilier des 4 ans, il faut en parler. Oh putain, les gars, c'est magnifique. Il y a un sommet enneigé juste derrière vous. Vous avez entendu le Russian Charter? Allez, gratte, première nuit en tente, première nuit en tente, qu'est-ce que t'en penses? Première nuit en tente, j'avais les oreilles gelées. Genre, ah ouais? Tout le corps était bien, mais j'avais les oreilles gelées. Il faut mettre le bonnet? Du coup, j'ai dormi avec le bonnet, je pense. Et sinon, trop bien, trop du bien. Putain, c'est magnifique. Il fait quand même quelques petits degrés la nuit. T'as un peu froid là, FF? Bon, ça va, j'ai le bonnet, vraiment. Là, on est à quoi? 5-6 degrés? Non, un peu plus. Non, plus que ça. Ouais, 10 degrés là. Oh, on va regarder la. 10 degrés? Beaucoup d'humidité? Ouais. Mais ça va. Ça va. Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique Les conseillers Pouzenec. Alors quel est ton conseil aujourd'hui Pouzenec pour ce premier jour d'aventure? Savez-vous comment dit-on élastique? Quel pronom faut-il utiliser? Je ne sais pas Ewan Pouzenec. Eh bien il faut savoir que le mot élastique vient du latin elasticus. Elasticus qui était un nom masculin, donc un élastique et pas une élastique. C'est pareil pour la chemise, on a tendance à dire un chemise, mais c'est une chemise. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Ewan pour ta rubrique, c'était les conseils de Pouzenec. Pouzenec. Tout le monde prêt pour le départ? C'est parti. Faut-il 2019. Tard, ça part sur des chapeaux de roue. Ça part sur 400 mètres de dénivelé jusqu'à la petite pause du matin. Et là, on va prendre compter mètre passe. On va passer à côté du mètre ci. On va monter à 2008. Ouais. Donc on est à 1008. Donc ça va grimper sec ce matin. Ok. Et cet après-midi, un peu plus roulant pour arriver jusqu'à avant le col de la Forteta. Ok, ça marche. Léon, le groupe vit bien. Un petit mot pour ta première aventure avec le foot trip. Voilà. J'ai hâte d'en découdre, il fait beau, la vie est belle. Vivement. Ça sent un homme heureux ça. Ah, je suis très heureux. Ce trek est une boucle de 45 km, départ de Gruben, un petit village suisse, avec le Barhorn en ligne de mire.
On commencera par le col du Maid Pass, puis celui de la Forcletta. Pour finir, le Barhorn. Cette ascension commencera par le Inner Barhorn, puis en longeant la crête, le Usser Barhorn, point culminant de notre aventure. Le sourire, toujours. Hein. Allez, le sourire, les gars. C'est ça que je veux voir. Ah, je suis content, moi. Hey, il est content. Je suis content d'être là. Le sourire, pelouse. Chouris, là. Léo Chauvin, un petit sourire. Yes. Malou. Yes. It caused me a terrible fright. The flame burned my hand. I kicked my leg. You took my hand. If you're on the water, 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 be clear. Hey. Oui. Tu peux me montrer où est le Barhorn? Tu vois la quenotte là, pointue? Juste au-dessus à droite. Barhorn ici. Ça fait haut quand même. Là. On n'y est pas. Ah non, on n'y est pas encore là. Ça a été ton aide? Ouais, ah, c'est plus grave. Il y a ce que le trident, déjà je sais pas. Ouais. Sur la droite, alors, on a des crassages, là il y a un petit peu de cardio. Ça tape la couenne? Ah ouais, il y a un petit peu de cardio qui se met en route là. Ça tape la couenne toi on aussi? On tape dans le lard là. On prend une tape dans le lard direct. Ouais, ça va monter vers la droite. Première pause du matin, 800 mètres de D+, on a bien grimpé. Et là, on va repartir direction Maid Pass. Il reste 200 mètres de D+, et un petit lac en perspective. Et. Allez, boys! Tous les jours, ils font une petite rando en famille. A smile! Tu mets un portrait là, pour un paysage. Smile! Smile! Ah, oh, yes! Bon, les gars, ça mouille! Ah, putain, ouais. Putain de merde! Ouais, ça mouille. Le groupe vit toujours bien, plus. Le groupe vit bien. Tu as posé quoi ce midi, Grolet? Alors, du pain avec filet de macro. Filet de macro. La macro, barbecue, sa saucisse à bêche. Pâté de campagne. Grillade de porc. Du pain, des picots de fromage, des saucisses à bêche. Ouais, bah. Midi avorté. Un peu plus rapide, hein? Gros ouvrage qui arrive derrière. On enfile les capotes, les noraks. On repart. Ouais.
Vous voulez voir le tunnel qui pisse en fond là ? Au point de vue. C'est ça qui va nous tomber sur la gueule. Ouais, on peut faire ça. On est où? Je sais pas, on est. Je sais même pas où on est. On grimpe là. On va à l'hôtel Westworld jusqu'à l'hôtel Westworld. Ah, ouais, mais là, exactement, je sais pas où on est, mais c'est stylé. Un truc 4x4. This moment is a mountain to move. Premier camp, deuxième camp, premier camp en montagne, deuxième officiel. Petit coucher de soleil sur les montagnes. Là-bas, Tonel et Ewen qui font la vaisselle. Et là, un spectacle. Soirée de malade. Soirée du. J'imite les humains comme Cheetah, mais je ne veux pas d'une gauche jetable. Je veux qu'à deux on fasse qu'un comme Gogeta. Qu'elle s'inquiète de me voir me coucher tard. Glorifier les marques sans faire un euro. Victime d'un système qu'on promotionne. Je prends ma somme, pas de chrome aux autres. Tout pour la mif dans mes chromosomes. Merci Grolet de nous avoir ravitaillé en bois. Et gros chauvin quand même. Et gros chauvin. Merci Grolet, gros chauvin. Merci FF de nous couper les chorizo. Qu'on va faire frire avec des petits oignons. Accompagnés du petit riz. Plus, on va rechercher un petit peu de bois pour faire cuire le dessert. Et Tonel également. Merci DJ. Hola Conchita. Si. Fais voir l'éponge du bled. Des petites feuilles. On traîne, on rôde, pas le droit de me plaindre. Mes pensées noires, j'ai éteintes en rose. Génération de Yankees, j'ai créé, du coup, je vais devoir les éteindre, mon ro. Si tu parles des passionnés, cite-moi. L'info se prend pas que sur les sites, man. Monsieur Givel, vous nous préparez quoi ce soir là? Alors, chorizo sur sa petite pirade. Petite pirade, ouais, et quoi d'autre? Des petits oignons frits à la pirade, pareil. À la pirade, tout à la pirade. Du riz. Ouais. Du riz, des trucs, y a un peu de tout. Quoi. Et tu nous expliques comment t'as fait ta pirade? On a pris une pierre assez fine, on l'a trouvée, on l'a stérilisée avec le feu. On l'a stérilisée avec le feu, ouais. Après, bah, on a mis la pierre sur le feu, puis la pierre a chauffé. Et après, comme on dit dans le jargon, on met la pierre sur le feu et voilà. Sur le feu. Et c'est parti. Tu sais, il fait 20 degrés, ouais, ou pas? J'ai passé 2 mois à interdire les gens à faire des feux de camp. C'est vrai? Premier jour de trek. Tu fais une soirée? J'adore. Non, kiffe la soirée là. Y'a qu'un coup de trick qu'on vit ça. C'est sûr que tu fais pas ça du coup. Oh con, t'as perdu un chamallow. Chamallow, on le met dans le mot. Regarde, il va ressortir. On le met dedans. Ah. Oh, elle est con. Vous avez jamais entendu ça sans faire le son. Aïe aïe aïe. Pas je puisse en t'attendre plutôt que sur le feu. Ouais. Pas je puisse en t'attendre plutôt que sur le feu. Ça risque rien le campagne. Déjà fait. Bah il est bien fermé normalement. Ouh. Plus belle quoi. Ma gueule, tu vois. Bon, bah, chaud. Réveil de la deuxième journée. Comment s'est passée ta nuit? Bah, difficile. Je suis réveillé toutes les heures. Parce que
Pourquoi tu t'es réveillé toutes les heures? J'avais du mal à m'endormir. T'as pas eu froid? Un peu à la face, parce que elle était pas dans le duvet. La prochaine fois, je mettrai un bonnet, je pense. Salut. Ça va? Ok, on va faire à travers la moustique. Oh la vache, moi je suis éclaté. Salut gros FF. Laisse-moi. Bon, comment ça va? Deuxième nuit, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, excellente, pour ma part, excellente. Hein. Toi, ouais. Je me suis réveillé plein de fois, j'aime pas trop ça, mais après c'est bon, j'ai bien dormi. Hein. J'ai envie de tenir chaud. C'est puis il fait beau là, j'ai hâte de sortir, ça va être bien. Ouais, ça se voit pas. Allez, dégage. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe? En poule. Seulement hein, deuxième jour, oui, là ils sont pas en forme. Grosse ampoule, du coup, on met un peu de pansement. Bon les gars, pour... deuxième petit déj du foot trip. Deuxième petit déj du foot trip. Et Wayne, qu'est-ce qu'on mange au petit déj du foot trip? Bah là du coup, premier petit déj du foot trip, on a des belles vitas. Des belles vitas, premier prix, du thé comme d'hab. Et... caramel, chocolat ou miel sur les petits pains. Vas-y, fais un plan, fais un plan fixe. Il nous a doucement découpé. C'est magnifique. Avec amour. Ça donne envie, hein. On a des graines aussi. On a des graines. Yo. Ça va. Bonne graine. Et puis on a de la bonne humeur. Ouais. Toujours, hein. Ici. Même quand ça va pas, ça va. Ouais. London talking to rhetoric about my life and shit. I thought the album was finished, but I keep writing shit. It's kind of funny how life changed and rearranged. No matter what happens, everything ain't gonna be the same. The incredible album, what an incredible outcome. I grip the mic and talk to the people like I'm Malcolm. I used to think the fame and money was the most. Vous me montrez comment on avance en montagne? Allez! Allez là! Toujours regarder la caméra. C'est beau, tu mets les pibes. Arrivée de tunnel. Ça y est. Ça y est, je crois que l'état à 2874 mètres. Et oui, on voit mon ombre. Si vous l'avez pas compris, c'est Blues. De la Forqueta. Tonel, t'en penses quoi? C'était sympa? Ah ouais, c'est une grosse vue de ouf là. C'était sympa. Le Mont Blanc là-bas. Tu nous montres le Baron? Le Baron, c'est la crête qu'on voit plus à droite, plus à gauche de la montagne là qui descend. Les deux pics là. Baron. C'est là où on sera demain. Demain, on sera là-bas. Et le Mont Blanc, on le voit là. Il a l'air plus petit que celui à gauche. Ça va, il est plus loin, beaucoup plus loin. Ça chauffe les mollets, mon Dieu. Allez là, ça descend là. C'est ça que j'entends, les gars. Allez, l'avion, l'auto. Allez, grosse cuisse de poulet là! Allez, il est passé le poulet! Vous êtes beau les gars, vous êtes beau! Vous êtes fort! Oh les gars là! Yes, man, j'adore passer devant toi! Ouais! C'est quand même un peu épicé hein! Thank you.
repas du midi, en face du Barorn, l'ascension de demain, 3006. Bon, la pousse, ça mange bien? Ouais, super. Comment ça? Haute qualité. Ouais, normalement. Bah, et toi, Léon? Oh, on mange bien, moi. Tu vois? Impeccable. Et vous, les gars, là? Ça vous fait quoi de voir le Barorn en face de vous, là? Et ça fait peur ou ça fait pas peur? Il y a rien qui me fait peur. C'est ça qu'on veut entendre. Le groupe vit bien quand même. Le groupe vit bien? Tu as précisé, le groupe vit bien. Ça va. Ouais. Tu me fais quoi là sur ta petite tartine? C'est du macro, moutarde ancienne, pain de campagne. On est bien. On se remplit la panse, comme on dirait, devant cette petite vue sympatoche. Le défi de demain en face. Le groupe vit bien. Ah, t'as de la Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la rubrique Les conseils de Plouzenec. Alors Plouzenec, quel est ton conseil du jour aujourd'hui? Comment appelle-t-on une vache en montagne? Je ne sais pas, Ewen Plouzenec. Eh bien, en montagne, on peut utiliser plusieurs cris différents. Yakri! On peut aussi siffler la bête. Un autre cri encore pour la vache amicale, on utilise le Allez là! Oh! Oh! Un spécimen! Une vache apparaît. Allez là! Allez! Allez là! Y'a la vache! Merci Ewen pour ces conseils du jour. C'était les conseils de Plouzenec. Les conseils de Plouzenec. Plouzenec. Burning papers into ashes. What a season. How they fly high from the ground up. There is yet another fountain flowing over as the night falls. Alors les gars, on est bien là? Glacier, cascade, petit lac. Et la cabane est tout en haut. Ici. Et le Barorn, on le voit même plus. Ça chauffe? C'était dur. Bon Maël, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'on n'a pas l'endroit prévu pour dormir. On allait faire du repérage en haut, ça nous a bien consommé. Ouais. On est redescendu et les gars qui étaient restés là, ils ont commencé la marche. Du coup, au final, on va dormir au cairn pour commencer 50 minutes d'ascension pour le Barorn demain. Mais du coup, on va se taper une nuit assez froide et il nous reste un bon parcours à faire. Il est déjà 19h passé.
pouvoir passer dans les... Ah, le petit cairn là-bas, là. Mais du coup, là, c'est un peu dur. Juste ici. Physiquement, dans la tête. Ouais, on va dire que c'est ça. Il commence à faire froid, du coup. On va essayer de rattraper le soleil. Allez, allez là. Je suis. Ah, moi aussi, j'ai chaud. Ah, mais foot trip, vous êtes des malades, hein. C'est gauche. Ouais. Ouh. Putain, c'est vraiment juste ouf, c'est magnifique. Ouais. C'est pour ça qu'on signe. C'est ça qu'on est venu chercher là. C'est ça qui est beau. On entame la partie Via Ferrata là. C'est assez ardu mais c'est pas très physique. Ok, reçu, on arrive. Préparez le barbecue. Pour l'instant on a pas trop d'empressement de temps donc. Ok, bah on continue alors. On arrive, on était derrière Léo. Okay. Il faut encore continuer un peu plus, on pensait qu'il y avait un coin où on pouvait camper, mais le grand truc qu'on voyait, il est ici où je suis. Les gars me rejoignent. Ok, donc 200 mètres ou 300 mètres à peu près. Ok, ça marche. Moi je suis plus où tout seul, j'ai fait du... Les gars me rejoignent. Ça roule ? On arrive. Allez. On va où là ? Je sais même plus où on va, on s'arrête jamais. On va faire quoi? Dormir. On va essayer de trouver un campement là parce que on n'a pas pu dormir là-bas. On va dormir à moins de 100 mètres d'un refuge. Ouais. Aucun terrain plat. Ouais. On continue à chercher. On va commencer le baron ce soir, ça fera moins dans les guiboles demain. Que du V9. Que du V9. Ça va Léandre? Compliqué aujourd'hui. Compliqué. Très compliqué. Grosse journée. Quasiment 16 bornes. Plus de 1000 mètres de D+. Là, on est à 2700 mètres d'altitude quand même. Ouais. Et il fait très froid. J'ai froid. On monte vite la tente. Ouais. FF. J'ai froid. Tu te changes vite? Quoi? Tu te changes vite? Ah bah là, oui, très vite. C'est mon froid. Solihorn. Inner Baron. Lesser Baron. Putain. Demain. Matin, numéro de cette crête. Plouzy plouz. Plouzy. La banane? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, on espère juste. Non, on espère rien, je vais pas le dire. Ouais, d'accord. Tous un petit coup de mou. Ouais. Les gars, au fond, ça va? On change vite parce qu'il fait pas froid ici. En même temps, on dort à côté d'un glacier, vous trouvez ça normal? Non! Non, pas moi. Je sais pas si c'est normal. Mais c'est quand même ultra cool. Campement à 2800, il fait très froid, on est très très fatigué, ça va être une petite soirée. Deux tentes ici, une tente là-bas,
et les glaciers. Le soleil se couche. On met toutes nos couches possibles sur nous parce qu'on a vraiment froid. Léon, des nouvelles du groupe ? Des nouvelles du groupe ? Oui, s'il te plaît. Le groupe est bien. Tant mieux alors. C'est un peu plus dur ce soir. Un peu plus dur. Mais le groupe est bien. Je trouve ça. Donc, ça oui. J'ai des autres choses. Ouais, non, ça me va. S'il nous dit c'est ok, c'est ok. S'il nous dit c'est un risque, je pense que c'est bouché. Putain, c'est pas un appel d'urgence. Tant pis. C'est sûr. C'est l'amour. Ce soir et cette nuit, ciel clair et temps stable. Lundi, temps ensoleillé. Quelques cumulus en montagne, mais a priori temps sec, sans risque d'averse ou d'orage. En montagne, faible vent de tendance ouest, isotherme du 0 degré à 4200 mètres. En pleine, minimum 13 à 15 degrés. La météo en ligne. Ouais, on a appelé 162 et il nous disait temps clair, mais on préférait voir. On voit des éclairs dans la vallée d'à côté. On voit des éclairs dans la vallée d'à côté, on pense que c'est vraiment des éclairs, donc voilà. Prévention orage, du coup, on va enlever tout ce qui est métallique, nos sacs, nos bâtons et quelques arceaux extérieurs pour les monter un peu plus haut. On va se mettre dans nos duvets et on va voir si ça nous tombe dessus ou pas, on verra. Et on prie Dieu. Et on prie et on verra ça demain matin de toute façon. Ewen ? Ouais. Comment ça va ? Ça va, alors on se prépare à monter le board. J'avais un peu peur hier soir. Parce qu'on voyait qu'il y avait des éclairs pas loin. Au final, le temps il est resté clair. C'était pas notre vidéo posthume. Ouais. On est reparti. Faut triper vivant. Alors ça va Malou, bien dormi ? Ouais, plutôt. Avec un bonnet sur la tête. T'as un bon duvet qui tient chaud. On a ouvert la tente toutes les 2 heures pour regarder si. Il y a de l'orage. Elle va bien. Ouais. Et toi, Grelais ? Très bien, ouais, en vrai, très bien dormi, moi. Tu nous fais voir un peu le paysage qu'on vient ce matin ? Ah, c'est très beau, hein. Ouais, le soleil qui se lève. Oh, Léo qui pisse sur le glacier. Eh, hey, le glacier ! Il va fondre ! Tu vas faire fondre le glacier, Léo ! Et les ours polaires, connard ! Et un FF. Un FF. Un FF sauvage qui est venu là, dans le campement. Ça commence à être chaud là. Après une nuit orageuse, un réveil dans le froid, un nouveau problème se profile. L'eau de la source est stagnante, imbuvable. On n'a pas d'eau pour la journée. Ok. Oh, genre. C'est chaud là. Par contre, pas chaud. C'est possible. T'as vu ce que j'ai ? Des racistes là-dessus ? L'équipe tente une pastille pour éliminer les bactéries. Il va falloir se rationner. Bon, on a réussi à trouver de l'eau. Stagnante. Du coup, on doit mettre les pastilles pour décontaminer l'eau. Attendre 30 minutes et puis on pourra boire. Allez, tombe. On a à peu près 3 litres pour 6 personnes, pour une montée et une descente. Pour aller ? Ouais. On va monter quoi ? Le barre. Aujourd'hui. C'est quoi le barreau ? Bah, tout là-haut, je sais pas si on voit, quand même une petite croix. Ouais. On le plus haut là-bas. Ouais. Plus haut sommet d'Europe accessible en randonnée. Sans matériel alpin, exactement. Pas plus haut par le sommet d'Europe accessible en randonnée sans matériel alpin. Et c'est pour nous ! C'est pour nous.
Ah, il y a les 3000 mètres d'altitude sont dépassés. Ça continue de grimper jusqu'à rejoindre la crête pour faire une heure. On n'y est pas encore, mais il est juste là-haut. Je peux avancer un peu. C'est de l'eau propre, ça? Attends. Non, mais je sers dans la bouteille. Elle est pure. C'est parti. Il reste combien de temps de film? Qu'est-ce que ça fait? Coucou. Ça va, FF? Ça va? Les mollets chauffent. Et bientôt soleil. La mer de glace, énorme. Glacier, 4000 mètres. J'ai pris les deux sabis. Il y a du soleil et des nanas. Là. La lila la. Il y a du soleil et des cailloux. La la lila la. Il y a du soleil et la team foot trip. La la lila la. Tenez, bande publique. Un soleil en pleine gueule. La la lila la. Là c'était juste pour la vidéo. Ça lui fera plaisir. Là, la lila là. Le chemin commence à redevenir un peu plus beau là. Ça fait plaisir aux pattes. Ça fait plaisir aux genoux. Et on va pouvoir prendre une cadence plutôt normale, se redresser. Bien sûr. Toutes nos mamans nous manquent.
Maëline Tonnel, Steph Lour, Pauline Chauvin, Madame Jolivelle, Gwen Plouzenec. Zach, c'est pour vous ça! Pour vous! Voilà le soleil. Dernier petit chemin avant d'arriver à la crête. Une fois qu'on sera à la crête, on sera quasi au Inner Barrens. Plus de 3500. Et du coup, après, il nous restera le chemin de crête jusqu'au Upper Barrens. Au point culminant de notre aventure, notre défi. On sera peu fiers. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long. Yeah. Arrivé sur la crête. Ce genre de spectacle. Regardez ça. La neige, de la glace. Et aussi un team foot trip. On voit une aire de nuages au fond. FF. Dernière ascension avant d'arriver au Barrens. Ça commence à être costaud là. Faut planter les. Bien planter les bâtons et bien planter les chaussures. Allez. L'altitude se fait ressentir aussi. On est là. On a dû passer les 3004 facile. Le soleil chauffe mais l'air est froid, les mains sont gelées. J'ai l'impression d'avoir un mur en face de nous. Il est presque. Que dalle. Les André Wen et Léo ils sont déjà. Et nous il nous reste. Qu'est-ce qu'il y a ? On voit la croix. Le sort barreau, what the fuck. Et on s'arrache pour la fin.
grimper. Wouh mec. Bien joué. Ça va. Théo. C'était chaud, hein. Ça va bien. Ça va bien. Ouais, c'était ouf. Ouais. Les bâtons ils sont raccourcis en même piolet. Tellement j'ai peur de moi. Hello. All we know is what will be our home. We will stay till the break of dawn. Coucou FF. Coucou. Attends, c'est papa, maman. Tu connais. On vend bientôt. C'est cool. Ça a été la montée. Impeccable. C'était nickel. La vraie montée quoi. C'était énorme. Allez Tonel, on apprend un peu hein. Il faut savoir Tonel. Ouais, oui, il faut savoir. Et toi t'es quoi? Moi je suis rappeur. Rappeur, c'est ouais. Comme Juju quoi. Ouais, ok. Yo, le mono. Quel conseil? Alors les gars, je vous conseille d'aller tout chousse. Il faut bien faire attention à vos parallèles parce que si vous faites, si vous passez en chasse-neige, ça va pas le faire les gars. Chasse-neige. Is there a way that nobody knows? And we leave it all behind. Can't you see? C'est toi, Nel. Quoi? voilà, j'ai envie de faire un petit discours. Moi j'ai du mal avec la technologie, comment qu'on fait? Là, c'est bon, je suis plein de câble. Ça filme? Est-ce que ça filme? On prend un selfie les gars. Moi j'aimerais bien faire un petit discours. Oui. Donc moi je te vois pas. J'ai une petite pensée pour Mich. Ouais, ah oui. Sans lui, ça se voit que je pense que Nathan il est dégueu comparé à l'année dernière. Dans le cœur. T'es dans le cœur, t'es dans le blaze. Du coup, petite pensée à lui. Cette montée c'est un peu aussi pour toi. Voilà. On t'aime gros Mich. On voit pas Tonel parce que j'ai du mal avec la technologie, mais on t'aime gros Mich. Cette montée elle est pour toi. On t'aime gros Mich. On t'aime gros Mich. Coupé. On t'aime gros Mich. Même si t'es gros. Quoi, j'ai tout à l'heure les boys. La terre est dure ici. Nickel. Vite Samalou. Thank you.
C'est haut, hein? Ah, où est-ce qu'on est, Léo? C'est la fontaine de l'arrivée. Yes, la fontaine de l'arrivée. Ça y est, footclip 2019. Enfin, trek du footclip 2019, pardon. Exactement. Annecy. Les poursuivants, arrivés. La boucle. No. Fin du foot trip. C'est la fin. Foot trip en un mot, Léon. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Tonnel. Même quand ça va pas, ça va. Même quand ça va pas, ça va. Et Wed. Tout va toujours bien. Ouais. J'apparais au pop. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Et moi, bah, c'était cool. Déjà riche de l'expérience pyrénéenne, cette nouvelle aventure alpine nous aura ouvert de nouveaux horizons, de nouveaux paysages et de nouveaux défis. Cette liberté dans notre isolation du monde nous fera rêver longtemps. C'est plein de beaux souvenirs en tête que nous évoquons notre aventure ensemble, à Annecy. Pourquoi on retourne toujours sur ces sentiers? Sans doute car ils nous font vivre vraiment, des paysages tellement beaux, on vit des choses dans le réel, dans l'instant présent. C'est comme un sentiment de coupure du temps dans un monde qui tourne si rapidement, peut-être trop vite. Trouver l'essentiel, l'essence de ce pourquoi on est là, sortir de notre confort nous soude à chaque aventure et nous rappelle l'essentiel de nos choix. Et comme dirait le bon vieux Gandalf, tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Vous dites foot, vous dites trip. Foot. Trip. Foot. Trip. 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 À la vôtre. Truth.